Salut à toi tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, ce tout nouvel épisode d'Uncharted Legacy of Thieves. Donc on est sur l'épisode 4 d'Uncharted 4 du coup. Alors j'ai mis le minuteur cette fois-ci, je suis essoufflé, je cours dans mes escaliers, je suis essoufflé. Donc j'ai redémarré le jeu évidemment, du au freeze évidemment. Hey, viens voir ça, tu vois le bâtiment avec la tour radio là? Tu veux dire la tour de relais? La quoi? Peu importe. Du coup ça on l'a déjà vu. Ouais, t'as raison, faut qu'on trouve un moyen de passer cette porte. Voilà, là au moins ça va pas freeze, on est d'accord, on est bon. Ok. Allez hop. J'espère que l'épisode d'avant, et d'ailleurs les deux autres épisodes d'avant, les trois en fait épisodes en fait simplement vous ont plu. Et vous serez là du coup durant tous les épisodes en fait. Hop. Là. Mais donc ouais, donc comme vous avez pu le voir dans le VV, dans le VV. C'est W Monthly. On a un gros mois. Ce mois-ci, on a un petit mois, mais un gros mois. Ça va pas l'air grand-chose si on y réfléchit. On peut monter là. Bah, y'a rien en fait. On peut monter par contre. Pas grand-chose. Ouais, bref, on va descendre. On se cache les genoux en passant. Regarde, on peut peut-être utiliser ça, trouver une fenêtre et entrer dans la cuisine. Ah, bonne idée. Je t'aide à grimper là-haut et toi, tu t'occupes de l'échelle. Ok, bah allez, let's go. Allez. Buonasera. Ma che sta facendo? Vas-y, mollo avec le civil, Sam. Quoi? Il va se réveiller en quel but avec la migraine? Ça nous est déjà arrivé, non? C'est vrai. Bon, j'ai fait mon taf. Fais le tien. Ok. Allez, à nous maintenant. Ok, direction le local électrique. On vient pas de là? Non, pas du tout, on vient de là-haut, ouais. Pas du tout. Sam, tout va bien? Tu regardes derrière les buissons. C'est juste que ce pantalon est un peu trop serré. C'est la mode, qu'est-ce que tu veux? Sérieux? Mais je peux plus respirer. C'est sûr qu'on est plus à l'aise en tenue de taulard. Bon, retourne à la salle de balle, gros malin. Sam, t'es là? On comprend absolument rien, mais ouais. Sam? Sully? Super. Les gars, si vous m'entendez, je suis plus très loin du local électrique. J'y serai bientôt. Si tout va bien. C'est bon à savoir. Là. C'est parti, c'est parti. Pourquoi une fenêtre là? Ouais, on peut juste monter des deux côtés, on s'en fout. Oh, j'ai recontombé. Oh merde! C'était quand même un peu osé de votre part. Pas qu'un peu. Non, on a quand même été mis en prison pendant plus d'un mois. Et qu'est-ce qui est arrivé au cheval? Eh ben, heureusement, on avait prévu tout un tas de carottes à bord. T'as vu quelqu'un que tu connais? Non. Je l'ai cru un instant, mais non. Alors quand est-ce que tu vas enfin me présenter ton fameux partenaire, Drake? En fait, c'est mon ex-partenaire. Non, ça fait un petit moment que je roule en solo maintenant. Drake est hors circuit. Oh, alors il est mort? Non, disons qu'il a pris sa retraite. Aux dernières nouvelles, il était rangé, il venait de se marier. Dans ce cas, c'est un peu comme s'il était mort, non? Victor Sullivan, ravi de te revoir. Bref. Ça fait un sacré bail. 10 ans peut-être. 12? Non, 15. Incroyable. Le temps ne cesse de s'écouler. Et nous, on est toujours là à s'accrocher à toutes ces vieilles choses. Vraiment?
Il me semblait que tu avais repris l'affaire de tes parents. C'est mon affaire maintenant. Mais oui, tu as très bonne mémoire. Oh, tu dois te toucher un salaire de ministre. Tu pourrais certainement te permettre d'acheter tous les lots en vente ce soir. Oui, certainement. Mais ça n'aurait aucun intérêt. Aujourd'hui, tout ce que je cherche sont les bonnes affaires. Rafler le gros lot. Tu as une idée de ce que je devrais acheter ce soir? Ce serait me tirer une balle dans le pied. Cela dit, ça reste entre nous, mais j'ai remarqué qu'ils avaient modifié l'ordre des lots. C'est drôle, j'ai l'impression que quelqu'un essaie de faire capoter cette vente aux enchères. N'oublions pas où on se trouve. Tous ces gens ne sont pas devenus riches en étant en ligne. Ce qui explique pourquoi il est si important de ne jamais venir seul dans ce genre d'endroit. Eh ben, je suis désolé de briser tous tes élans, mais tu travailles pour un Américain. Avec. On est partenaire sur ce coup-là. Je vois. Oh, quel charmant petit couple. Dans quelques instants, nous commencerons les enchères sur notre prochain. Un crucifix en bois incrusté ayant appartenu à la famille. Bon, comme j'ai pas envie de tenir la chandelle, je vous souhaite une bonne soirée tous les deux. Attends un peu, Sully. Comment t'as entendu parler de ça? Ça? Et de quel ça tu parles, Rafe? Nadine, je crois que ton partenaire a bu un peu trop de Bloody Mary. Arrête tes conneries, vieux débris. Je sais pas comment t'as fait pour t'incruster ici, mais si t'es là seulement pour en chérir sur la croix d'Avry, alors là je peux déjà te dire comment tu vas t'en aller. Ce sera Rafe. Un défend. Les gens autour. Hein. Eh bien, on s'est compris, je crois. Ravi de vous avoir revu. Nate. C'est pas vrai, petit, mais qu'est-ce que tu fous encore? Son costume, il est tout sale. Je vais y arriver. Et bah, si on peut passer par là. En fait, on n'a pas le choix de passer par. Bon, c'est pas grave. Je pense que j'ai mal sauté, j'aurais dû sauter un peu plus là, ouais. Mais pourquoi j'ai choisi le local électrique? Un peu plus de l'autre côté si tu veux bien. Voilà, c'est bien. Oh, non. ouais, non, mais c'est rien. C'est vrai. Ouais, le petit bateau là. Enfin, petit en vrai, non, c'est pas des petits bateaux. Ouais, c'était un peu mieux de ce côté. Ouais. On y est. Il va vraiment lentement. Hein. Après, c'est normal. Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Cosa? Ok. Hein. Si tu peux un peu accélérer, hein, je veux dire. Attends, allez, s'il te plaît. Voilà, merci. Ok, bon, maintenant, il faut qu'on trouve comment désactiver le courant. Où est-ce qu'ils sont, ces disjoncteurs? Ah, c'est pas vrai. Sam, Sully, vous êtes là? Oh, de Dieu, petit, mais t'étais passé où? J'ai eu un peu de mal. J'ai bien failli me faire griller plusieurs fois. Ouais, bah si tu veux toujours couper le courant, c'est le moment ou jamais. Ok, mais il va me falloir une minute pour atteindre le disjoncteur. Malheureusement, on n'a pas une minute. Rafe est sur le point de repartir avec la croix. Attends, quoi? Rafe?
Rafe est dans la salle ? Oui, Rafe est dans la salle. Et pendant qu'on discute, c'est lui qui a la plus grosse enchère. Renchéri, t'as pas le choix. Mais avec quoi ? J'ai pas un rond sur moi. Sully, on le vole ce truc, t'as oublié ? Et s'il renchérit pas sur mon offre ? Oh, il le fera pas. Nous avons 90 000. Quelqu'un veut-il encore enchérir ? Les gars, si on récupère pas cette croix, j'aurai déjà un pied dans la tombe. Celui... Moi, si je me retrouve avec la meilleure enchère, on aura tous un pied dans la tombe. Sully, il faut absolument que tu gagnes un peu de temps. Puisque nous n'avons plus d'autres enchères. Fais-moi confiance. 90 000 une fois, deux fois. Alors, allons-y. Bene, nous avons à présent 100 000 euros dans la salle. Grazie. Quelqu'un veut-il encore enchérir ? Nous avons désormais la somme de 110 000 euros dans la salle. Je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Nous en sommes à... Fais pas. On sera dehors en moins de deux. Allez, ça vaudrait mieux. Alors, aucune idée de comment on fait. Aucune idée. Ouais, faut juste fouiller, ok. Nous sommes maintenant à 140 000. Rien du tout. Pour ça. Avec votre enchère, monsieur, nous passons à 150 000 euros. Ah, là-dedans, allez. Petit outil. Allez, voir quelque chose. Allez. Nous atteignons maintenant la somme de 160 000 euros dans la salle. Attends une seconde. Ce monsieur nous propose maintenant 160 000 euros. Oh, tout ce qui est encore à fouiller, alors, attends. Oh, bah... Allez. Incroyable, nous avons désormais 200 000 euros dans la salle. Je suis devant le disjoncteur. Vous êtes prêts ? Oui, plus que jamais. Victor ? Attends une seconde. Ce monsieur propose maintenant la somme de 210 000 euros. 500 000 euros ! On en finisse pour de bon. Merci. Nous avons maintenant la somme de 500 000 euros dans la salle. Monsieur souhaite-t-il enchérir à nouveau ? Tu m'as fait peur pendant quelques secondes, Victor. J'ai cru que j'allais devoir te tuer. Ok. Gâchons la soirée de ce petit enfoiré. Quelqu'un d'autre ? 500 000 une fois ? 500 000 deux fois ? Adieu, j'ai vendu au monsieur à ma gauche pour 500 000. Mesdames et messieurs, veuillez garder votre calme. Le générateur de secours va prendre le relais. Elle est plus là ! Barrate toutes les logiques. Si vous devez lâcher le... Poussez-vous, allez, dégagez de là! Arrêtez-le! Hey! Arrêtez cet homme! Ferme! Qu'est-ce que vous foutez? Le laissez pas partir! Vous avez pas! Sparisce! Très bien. Dis-moi que t'as la croix. J'ai Saint-Dismas avec moi. Allez. Je vais lui dire bonjour. On a donné un sacré coup de pied dans la fourmilière. La salle de bal est fermée, la sécurité est en alerte. Victor, tu nous dis où est la sortie? Vous rejoignez l'allée devant, suivez les projecteurs. Je vais chercher la voiture. Allez, on y va. Style ici. Il a dit quoi? Il a dit c'est la merde. Bon, on va essayer d'être le plus discret possible. Hop. Allez hop. Je sais pas c'est quoi mieux de rester en bas ou... En vrai attendez j'ai une idée. Putain regardez quoi je me pose. Là, lui ne voit pas. Allez, allez. Ok, on aurait mieux fait de prendre des flingues finalement. Bah alors là, j'avoue que je sais pas trop. Qu'elles nous ont pas vu.
l'instant, le but c'est de pas se faire voir du coup. Même si je pense que si on se voit, on. Merda, se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. Allez, bam, dans tes dents, toi. Allez, tout c'est pareil. Ils sont barrés. Ils vont pas me voir au moins si je reste. Voilà la salle de bal. L'allée est juste devant. Faut que j'aille jusque là-bas. Ah ouais, juste. Sur des roulettes. Personne ne m'a repéré, je vais la jouer cool et sortir d'ici tranquille. Oh, excusez. Vous n'êtes pas supposé traîner dans ce coin-là ? Mmh. Oh, mais vous non plus. Voilà ce qu'on va faire. Si vous ne me dénoncez pas, j'en ferai autant. Tu as quelque chose que je veux. Et tu vas me le donner immédiatement. Vraiment ? Eh bien, je suis très flatté, mais malheureusement, je suis déjà en couple. Alors maintenant, je vais y aller. Je suis pas d'humeur pour tes petits jeux. Donne-moi le crucifix. Madame, vous avez beaucoup de chance. Je suis un gentleman. Parce que c'est... T'aurais fait quoi ? Ok, c'est bon. Mais oublie pas. Je voulais pas faire ça. Fais voir ce que t'as dans le ventre. C'est trop téléphoné tout ça. Je fais ce que je peux pour que ce soit équitable. Pas mal tenté. Ça c'était pour moi. Elle forte. Hein. Hop. Ah oh, bah oui. Ah oh, bah oui. Y'a plus rien, gars. Mais bon, je pense que ça fait exprès. Tu vas me donner cet artefact. Les artefacts, c'est pas ce qui manque chez moi. Il va falloir que tu sois un peu plus précise. Attends, je vais essayer d'être plus clair. Bon, écoute, ça doit être le décalage horaire. Et si on se disait qu'on est quitte? Bah oui. T'en as eu assez ? Ou tu préfères continuer à faire le malin ? Bah tu sais, c'est toujours en faisant le malin que j'arrive à m'en sortir. Moi, j'arrêterai. Arrête, arrête. Il est dans ma poche arrière. Où est-ce qu'il est ? Allez, c'était sympa. J'attends dans la voiture, les gars. Qu'est-ce que vous foutez ? Je viens de tomber sur ton ami Nadine Ross. Vraiment charmant. Ouais, bon, c'est un bordel pas possible ici. J'essaie de maîtriser la situation, mais tout le monde tripe. Je voudrais pas vous stresser, mais maniez-vous le train. Attends, où est-ce que t'es ? Bonne question. Et toi ? Près de la salle de bal. Si tu vois un panneau rond, c'est que t'es sur le bon chemin. Un panneau rond ? Pas le choix en fait de sauter là. Allez, manie-toi. Ouais, ok, on peut. Ah, et on est grillé. Attends, attrape. Hein? Quoi?
Bien vu ça. Tout va bien ? Ouais. Ouais, je m'accroche. Je peux pas venir te chercher d'ici. T'as un moyen de descendre ? Ouais, il me semble, ouais. J'arrive pas à sauter sur un. Ok, c'est bon. Ok, à tout de suite. Bah alors là, c'est pas en dessous, hein, peut-être ça. C'est à Chaberaya. Non, je suis coincé, t'aurais pas une idée ? Le curatif, je suis passé par la salle de bal. T'as dit que la salle de bal était fermée. Ouais, mais maintenant qu'ils savent que c'est vous, ils vont arriver avec les lieux. En route pour la salle de bal, ok Nathan ? Ouais, j'ai entendu. Allez hop, toi. Oh, il m'a fait peur. Voilà. J'adore ça, moi, être discret dans les trucs comme ça, j'adore ça. Bien la forme. Voilà. On va plutôt monter vers l'eau, hein, de toute façon. Salle de balle, c'est en haut, donc. Merde! Aspetta. On est foutu. Oh, comment ça? Il est ouf, lui. Casse-toi! Un mec là, il y en a 2, 3. Bah, y'a que 3, y'a que 3 mobs en vrai. Je quoi, j'attaque? Ouais, mais si j'attaque et qu'au final on se trouve avec 8 personnes. Ok, lui il a rien vu. Faire attention au mec en haut, ouais, plutôt. Le dernier, de toute façon. J'ai pas assez poussé. Okay. Oh, mais il y avait des escaliers en fait, je pouvais monter pour ce moment. Mais c'est pas vrai, Nathan. Ça va? Tu t'amuses bien? Je crois que j'ai plus rien à faire dans ces enchères. Non, moi non plus. Bon les gars, j'ai changement de programme. Là je prends le pistolet parce que. L'allée est pleine à craquer. Et merde, c'est quoi le plan B? Vous voyez la fontaine juste devant la salle de bal? On se retrouve là. Ok, en route. Ah, je crois que c'est faire. Faut tuer 100 mobs sans mourir justement au combat, donc sans que. J'ai zéro shoot, c'est incroyable. Par contre, je vais le prendre quand même le fusil à pompe.
quoi, dépêche-toi. Ah, on était vraiment proche de se faire buter. Hein. Et merde. Oh mais il fait quoi lui ? Ok, let's go, on y va. Allez hop, c'est parti. Et on a la croix. C'est le plus important. Bon. J'espère que j'irai pas en enfer. Chiotte. Quoi ? Elle est vide. Quoi ? Mais... c'est vraiment... Tiens donc, une tête de mort. C'est bon signe. C'est l'emblème d'Avry. Qu'est-ce que c'est ? Odie, mecum eris in paradiso. Aujourd'hui, rejoins-moi au paradis. C'est ce que Jésus a dit à Saint Dismas sur la croix. Ouais. Mais... Et ces chiffres-là, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une sorte de code ? Ou un numéro de téléphone ? C'est évident. Ce sont des dates. Hein ? Ah, y a... 1659. C'est l'année de naissance d'Avry. 1699. Laisse-moi deviner, l'année de sa mort. Oui, d'après la plupart des récits, mais ça veut dire qu'on a l'année de sa naissance, l'année de sa mort et le paradis. Il s'agirait donc de trouver la tombe d'Avry. À la cathédrale Saint-Dismas. Attendez une minute. Je croyais que Rafe passait le secteur au peigne fin depuis des lustres. Oui, la cathédrale. Vous voyez ces symboles ? Ouais. On en trouve sur les anciennes pierres tombales écossaises. Ok ? Tenez, regardez. L'agencement des lieux est très inhabituel. Mmh. Là, c'est la cathédrale, mais le cimetière, lui, est excentré. Rafe concentre ses recherches au mauvais endroit. Exactement. Les gars, en route vers l'Écosse. Ok, attendez. Vous vous rendez compte que Rafe sait que vous allez venir ? Oui, mais on s'en occupera une fois sur place. Ce malade n'espère qu'une seule chose, c'est que vous vous pointiez là-bas. En plus, il a Nadine et toute son armée pour la protéger. Oui, mais il lui manque ce parchemin. Le plus grand trésor pirate de tous les temps est presque à portée de main. Je croyais qu'on faisait ça pour sauver Sam. Mais c'est le cas. Mais on peut faire d'une pierre deux coups. Il nous faut ce trésor pour pouvoir sauver Sam. Comment Elena peut être d'accord avec ça ? Non, t'es pas sérieux, fiston. Écoute, c'est pas aussi simple que tu le crois. Mais... après tout ce que vous avez vécu ensemble... Elle pourrait jamais comprendre. Tu ferais mieux de lui faire un peu plus confiance. Je peux pas lui en parler. Nathan, il a raison. Les choses ont changé et Rafe est impliqué. Je peux me débrouiller tout seul, je t'assure. Super. Sympa de vous liguer contre moi tous les deux. Excusez-moi. Allô ? Salut, c'est moi. Vas-y, t'as quelque chose sur le cœur. Écoute, Sam, je me rends compte que t'as dû en baver pendant toutes ces années en prison. Et je suis désolé de ce qui t'est arrivé, mais c'est pas sa faute.
Je ne l'ai jamais blâmé. Tu te rends compte? T'imagines le temps qu'il lui a fallu pour raccrocher? Je ne l'oblige à rien, c'est son choix. En fait, il est même fait pour cette vie. Tu crois vraiment ça? Pourquoi t'es là, Victor? Ben, parce qu'il faut bien quelqu'un pour surveiller ses arrières. Non, on se voit dans quelques semaines. Confiance. Ouais. Promis. D'accord. Je t'aime aussi. Au revoir. Je viens de lui dire que la mission allait finalement durer plus de temps que prévu, ce qui est parfaitement vrai. Ok. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Sam aura besoin d'un coup de main. J'ai entendu dire que le climat est des plus agréables en Écosse à cette période de l'année. Allez. L'Écosse. C'est magnifique, j'adore. L'Écosse, c'est magnifique. On peut dire que Rafe a mis le paquet. Ils sont concentrés autour de la cathédrale. C'est une bonne chose. Ça nous laisse le champ libre du côté du cimetière. Sully. Ouais. Tout roule, on va pouvoir y aller. Ok, fiston. Bonne chasse. T'es sûr que tu veux pas venir? Ouais, mais à moins que tu me trouves un tapis roulant, je passe mon tour. Ok, alors à bientôt. Hey, Nate. Oui? Si tu peux... faire en sorte de me ramener un petit souvenir, ok? T'inquiète pas. Bon. Allons présenter nos respects au capitaine Avery. Allez hop. On est à 33 minutes à peu près. On va avancer quand même un petit peu. On va pas s'arrêter là maintenant, on va faire un petit peu encore. Et ça sera un peu plus lent. Bon alors, on va pas chercher non plus tous les trésors. J'avoue. Je suis presque sûr que lui non plus. J'étais en train de digérer ta mort, et avec toute sa frustration de ne pas trouver le trésor, je suis à peu près sûr qu'il était prêt à me tuer au moment où je suis parti. Oh, bah alors il est bien parti. Enfin, parti au bon moment. Imagine ce qu'il serait prêt à te faire maintenant. Je préfère éviter. Sam, écoute. Par contre, du coup... impitoyable. Encore plus que quand on faisait équipe avec lui. Faudrait que je saute là. J'ai entendu de ces trucs. Ils font tout exploser. J'ai plein de raisons qui me font croire que tout va bien se passer. Ça, ça devrait tenir. Non, c'était pas la bonne touche. Et viser. Hop. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Du matériel d'excavation. Shoreline? Quoi? Regarde. Je croyais qu'il cherchait près de la cathédrale. Oh bah, c'est pas mal ça. La vie derrière, je crois qu'il y en avait derrière. Ouais. Moi aussi j'étais ravi de vous rencontrer. On dirait qu'il nous attendait. Et on dirait qu'il cherche à l'extérieur de la cathédrale. Ce qui veut dire qu'on doit aller au cimetière et en vitesse. Exactement. Et vous avez pas pensé à chercher sous la cathédrale? Bah, si, on l'a fait. Un peu. Mais cet endroit est tellement grand que franchement c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Chercher une aiguille dans un baril. Je sais pas exactement où il faut aller. La vie des moines était partagée entre plusieurs bâtiments, le principal étant à côté du cimetière. Ouais, je sais pas. Encore des équipements de Shoreline. On a du bol, y a pas de garde Shoreline. Oh, bah par là en fait, ok. Si ça se trouve, ils se sont fait sauter la paillasse tout seul.
pas monter, là ça glisse donc de toute façon. On va remettre des câbles. C'est pas l'air d'être là. Attendez, attendez, vous êtes forcément dans les runes là. Non, pas celle-là. Comment on peut ouvrir cette porte? Attends, je sais ouvrir la porte. Ouais, coup de poing. Bon, en tout cas, on sait qu'on doit. Ah non, c'est des bouteilles. Ah mais il faudrait grappin à quelque chose. Il doit bien y avoir un truc. Non bah. Bien, qu'est-ce que tu paries ? Des explosifs. Oui. Ouais. De la dynamite. Eh, hey, tu fais gaffe avec ça. Bye bye la porte. C'est un peu mieux. Tu sais, j'ai fait sauter pas mal de trucs dans ma vie. Il vient pour me regarder. C'est quoi le plan avec la pièce? Je sais pas trop encore. Bah la mettre à la porte pour escalader, non? Shoreline, planque-toi. Allez hop, on est bien planqué là. Merde. Je suis dans la merde. Moi, ils sont marqués, je pourrais les voir à travers le mur. Enfin, on va dire ça. Voilà une bonne grenade, bam! Il va me voir là. Ils ont revu, ils ont revu. Il a fait demi-tour. C'est un peu cramé quand même qu'on est dans le buisson. Ça va être temps d'accent. Faire attention, genre je vais l'exécuter lui. Oh merde! Mais voilà, on s'est fait
Il traversait le sol, ça, je reconnais. Ouais, tu vois, c'est pour ça que je voulais pas me faire repérer. Parce que c'est la merde. Ils appellent des renforts et tout, ça devient le bordel. Ok, ça a l'air bon. Dynamite. D'accord, bien joué. Mal tourné. Ouais. Si avant quelqu'un s'en aperçoit. Allez, putain. Ça va être l'heure de se laisser, hein. On va monter là-haut, on va se laisser là-haut. Shoreline. Allez. Bah ouais, c'est là. Allez, on y va. Ok, c'est parti. Bon. Un petit peu ça. Bon, du coup, nous, on va se laisser là avec ce beau petit paysage comme ça. On se retrouvera, du coup, d'ici, je pense, 2 à 3 jours. Enfin, voilà, à peu près dans ces... Voilà, dans ces eaux-là. J'espère, en tout cas, que l'épisode vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde.